dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi, il est 6h50. Je vais aller me préparer pour partir en cours et je vous retrouve après. A tout. Comme vous avez pu le voir, juste avant j'étais en cours, donc j'ai eu 3 heures de techno ce matin et ensuite je suis partie 1h30 travailler un petit peu à la bibliothèque. Et là actuellement je suis devant un salon de manicure parce que je les ai appelés ce matin pour pouvoir me poser des ongles. Parce que pour tout vous dire, j'ai succombé à la tentation il y a maintenant un petit moment. J'ai rangé mes ongles, donc là je vous cache pas que mes mains ne ressemblent plus vraiment à grand chose. Donc je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui de me faire poser des ongles. Donc je vais faire vraiment quelque chose de naturel, c'est-à-dire que je vais pas mettre de vernis. Je vais juste faire un truc avec de la résine. Et en fait là j'ai mon rendez-vous dans 30 minutes mais je vais y aller, peut-être que la dame qui est avant moi elle est pas là, en espérant, en croiser les doigts, comme ça je pars plus tôt. Bon, je viens de rentrer, il est 15h, j'ai passé 1h30 dans les bouchons, j'ai reçu un colis, je pense que c'est des vêtements, donc ça je mets de côté parce que j'aimerais bien vous faire un haul. Et d'ailleurs, je vous ai montré sur Snap, mais on a changé de télé. Yubi l'a commandé sur ses discounts samedi. On l'a reçu hier. Franchement, en plus, elle est bien parce que je pensais que ça allait faire beaucoup trop grand et finalement, non, c'est cool. En plus, c'est une Smart TV, donc je vais pouvoir regarder en fait mes vidéos sur YouTube ou même ma série, comme je vous ai dit sur Snap, Pretty Little Liars, sur la télé. Donc ça va changer de l'ordinateur, donc c'est plutôt cool. Et donc là, je vais enlever mes affaires et je reviens vers. Déjà j'étais partie dans l'optique de dormir un petit peu, mais je me suis dit tiens non, ce que j'allais faire c'est que j'allais commencer en fait à filmer les plans pour ma vidéo haul décoration que j'aimerais vous poster le plus rapidement possible. Et en fait je me suis dit vas-y, je vais essayer de tout faire aujourd'hui, comme ça je vais vous la poster pour vendredi. Et en réfléchissant bien, vu que je vais commencer à poser ma déco ce week-end, j'ai envie de vous faire en même temps de vous montrer les articles, de vous faire sur la vidéo voilà, des plans en fait de ma décoration. Voilà, par exemple en fait je vous explique pourquoi j'ai eu cette idée, parce que j'ai acheté une table chez Casa et en fait j'ai littéralement la flemme de la monter maintenant. Je me suis dit en fait que j'attends de monter la table pour pouvoir vous la montrer par la suite. Si j'ai vraiment envie que ce soit agréable pour vous de regarder la vidéo, donc je me suis dit que ce que j'allais faire, j'allais faire quelque chose de court, de rapide, de dynamique, comme ça c'est plus agréable pour vous en fait de regarder ce hall décoration. Donc voilà, donc finalement je vais commencer à filmer tous les plans et je continuerai à filmer les autres plans ce week-end. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir, déshabille-moi, je te dirai rien, hein. Tu m'embêtes depuis tout à l'heure, tu me fais mal. Donc je sais plus ce que je vous disais. Je sais plus. Oui, donc en gros, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. En fait, je vous reprends que maintenant, donc il est 20h parce que j'étais partie dans l'optique de pas continuer le vlog et de le continuer demain. Mais comme je viens de voir que je finis assez tôt demain, donc je me suis dit que demain, bah, j'allais faire peut-être un nouveau vlog. Mais là, ce que je suis en train de faire au passage, si ça vous intéresse, je suis en train d'envoyer mon exposé à mon prof. Je passe vendredi en exposé, donc je l'ai fini il y a un moment maintenant, je l'ai fini la première semaine des vacances. Donc là c'est pour ça que je vous dis que je suis bien tranquille, enfin je vous ai dit sur Snap au niveau des devoirs je suis tranquille parce que j'ai fait les plus gros devoirs à rendre. Donc en fait je voulais pas le rendre avant parce que je voulais revenir dessus. C'est pas un exposé où tu passes à 3 ou à 4 ou à 2, tu passes toute seule devant toute la classe. Il est face à toi, il te chronomètre le stress, tout ça. Là je me suis un petit peu entraînée, j'étais dans les alentours de 13 minutes, 45, 14 minutes, donc je pense que ça va aller le jour de l'exposé. Si, est-ce que vous avez vu
On a atteint presque les 25 000 abonnés. En moins de 24 heures, il y a eu 1000 personnes qui se sont rajoutées sur ma chaîne. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un truc de ouf. En gros, c'est waouh. Voilà, merci beaucoup. Je vous retrouve 45 minutes plus tard. Voilà, voilà, tout va bien. On les a atteints. Truc de malade. Bon, alors, je viens tout juste de sortir de la douche. Ayoub, elle est partie nous chercher à manger. Je vais clôturer le vlog maintenant parce qu'il faut que je le monte, il faut que je le charge et il faut que je la mette à prise sur YouTube en chargement. Et pour ça, faut pas que je m'endorme, sinon vous aurez pas de vlog demain matin. Donc voilà, j'espère vraiment sincèrement que vous continuerez à me suivre. Vraiment, je le souhaite du fond du cœur, que vous serez toujours autant réactive en dessous de mes vidéos. Là, je suis en fait sur le... Comment ça s'appelle? Sur le compteur d'abonnés en direct. Et là, en fait, ça monte, ça monte, ça monte. C'est un truc de ouf. Mais vraiment, merci du fond du cœur d'avoir cliqué un jour sur ma tête et sur mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir, surtout quand je vois tous vos commentaires, tous vos messages. Voilà. Mais de toute façon, je vous remercierai jamais assez... Voilà, pour prendre le temps de m'écrire, de me regarder, de me suivre, d'être présent. Enfin, vraiment, merci beaucoup. Et de toute manière, je pense vlogger demain. Je suis pas encore certaine parce que pour tout vous dire, demain, je finis assez tôt. Mais après, je vais rester à la bibliothèque pendant un petit temps pour réviser mon contrôle de maths avec une copine. Donc, je sais pas au final s'il y aura grand-chose. Surtout que maintenant, la nuit, elle tombe super vite. Donc c'est vrai que je sais pas, je vais voir, mais de toute manière je vous tiens au courant au pire des cas sur Snap. Et moi je vous embrasse très très fort, merci encore infiniment, vraiment ça me touche beaucoup, vraiment merci beaucoup. Et de toute manière on se retrouve très très vite dans un nouveau vlog. Ciao.